Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce septième dimanche après la Trinité. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa miséricorde dure éternellement. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, sachant que par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés tous vos péchés. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous t'en supplions, purifie et défends continuellement ton Église dans ta compassion. Et parce qu'elle ne saurait se maintenir en sûreté sans ton secours, garde-la toujours par ton assurance et ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce septième dimanche après la Trinité, tout d'abord dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 9 à 14. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras l'Éternel ton Dieu en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans Colossiens 1, les versets 15 à 20. Le Fils est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ceux qui est sur la terre que ceux qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Ici prend fin la lecture de l'Épître.
Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. » Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, » répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons le deuxième article du Credo et son explication. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Que signifient ces paroles? Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme, né de la Vierge Marie, et mon Seigneur. Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable. Non pas à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances et sa mort innocente, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume, pour le servir éternellement dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Thank you.
Prions. Seigneur Jésus, la parole faite chair, tu as tout créé et tout subsiste en toi. Ouvre nos oreilles pour que nous t'écoutions, afin que nous mettions ta parole en pratique, car elle est tout près de nous, dans nos bouches et dans nos cœurs. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le sermon de dimanche dernier avait pour sujet Dieu notre Père. En lui, nous avons un Père tendre, plein d'amour, qui s'occupe de nous, corps et âme. Cette semaine, nous allons méditer l'explication du deuxième article du Credo et les versets 15 à 20 du premier chapitre de la lettre aux Colossiens. Certains théologiens pensent que, dans ces versets, Paul cite un cantique, peut-être même un cantique dont il est l'auteur, pour réfuter l'hérésie qui existait parmi les chrétiens à Colosse. Les Colossiens gardaient certaines pratiques et fêtes juives et intégraient des croyances gnostiques, c'est-à-dire qu'ils cherchaient une révélation cachée, qu'ils pensaient être supérieure à celle des Saintes Écritures. Paul répond à ces erreurs en enseignant qui est Christ et ce qu'est son œuvre. Vous aussi, vous devez connaître Jésus. Ne cherchez pas une révélation privée, mais étudiez sa parole, dans laquelle il se fait connaître. Selon les versets 15 à 17, Jésus est le Créateur de la terre et des cieux, l'image du Dieu invisible. Dans le premier commandement, l'Éternel dit de ne pas fabriquer de sculptures sacrées. Les Israélites, au pied du mont Sinaï, représentaient Dieu sous la forme d'un veau d'or. Aaron s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Dieu n'accueillit pas leur louange qui lui était destinée. Pourquoi? Parce qu'une sculpture inanimée ne peut représenter l'Éternel vivant. Jésus est vivant. Lors de sa vie sur terre, il dit « Je suis la résurrection et la vie » et encore « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est celui qui est mort, qui est ressuscité et qui ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est ainsi qu'il a pu être l'image du Dieu invisible. Il est vivant, la source de la vie. Il est le Créateur. Il soutient la création comme nous lisons dans la lecture de l'Épître. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Et encore, dans la lettre aux Hébreux, au premier chapitre, il soutient tout par sa parole puissante. Il est le Tout-Puissant, supérieur à tous les rangs des anges. Jésus existe avant toute chose et toute la plénitude de Dieu habite en lui. Si Jésus était une créature, même la plus importante créature de toute la création, il faudrait conclure qu'il est un Dieu de second rang, inférieur au Père. Ce n'est pas le cas. Vous connaissez le Père et avait accès à lui à travers son Fils unique, car Jésus est l'image du Dieu invisible.
Si les versets 15 à 17 présentent Jésus comme étant le Créateur de tous, les versets 18 à 20 parlent de lui en tant que Sauveur, source de notre réconciliation avec le Père. Par son sang versé sur la croix, il réconcilie tout avec Dieu. C'est une œuvre universelle. Jésus a racheté la création entière en faisant la paix à travers lui-même. Et pourtant, cela n'implique pas que toute personne sera sauvée. Vous pouvez rejeter la nouvelle vie en Christ, et beaucoup le font. Vous pouvez mourir dans vos péchés et l'incirconcision de votre corps. Ce n'est pas l'œuvre de Christ. Ce n'est pas que l'œuvre de Christ soit insuffisante, mais que l'homme pécheur rejette son don. La parabole du bon samaritain décrit ce que Jésus fait pour vous. Vous étiez battus, morts dans vos péchés, incapables de vous sauver vous-même. D'autres ne pouvaient, ni ne voulaient, vous venir en aide. Lui, plein de compassion, bande vos plaies et verse de l'eau sur vous pour vous nettoyer et vous guérir. Il vous transporte. Il paie le prix et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Il vous a rendu la vie, à la vie avec lui. Il vous a pardonné toutes vos fautes. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ainsi, le salut ne vient qu'à travers Jésus. Dieu vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous êtes rachetés, pardonnés de vos péchés. C'est le devoir de chacun de nous de reconnaître ce que Christ a fait pour nous et en être reconnaissant. C'est ainsi que Luther explique le deuxième article du Credo en disant « Il m'a sauvé, racheté et acquis, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du diable, non pas à prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par ses souffrances, et sa mort innocente. Ce que Jésus a fait, il l'a fait pour vous individuellement. Je veux que chacun de vous croie que Jésus a tout fait pour vous sauver à cause de son grand amour. L'Église, dont Christ est la tête, est l'assemblée de tous ceux qui croient en lui, ceux qu'il vivifie, qui sont régénérés, qui ont été ressuscités avec lui à travers le Saint-Baptême, qui sont morts au péché, qui vivent pour lui et qui ressusciteront corporellement pour la vie éternelle, quand Jésus reviendra en gloire pour juger les vivants et les morts. L'Église existe pour Jésus. Et vous avez été recréés pour vivre dans son royaume en étant membre d'une communauté de chrétiens et en vivant en communion avec l'Église universelle. Voilà le prochain point dans l'explication du deuxième article. Il m'a sauvé, racheté et acquis, afin que je lui appartienne et que je vive dans son royaume, pour le servir éternellement, dans la justice, l'innocence et la félicité,
comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. Jésus veut que vous mettiez votre foi en pratique. Moïse dit aux Israélites dans notre lecture de l'Ancien Testament, l'Éternel prendra plaisir à ton bonheur lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. C'est une parole qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Les commandements sont pour vous aussi. Dieu ne donne pas ses ordonnances pour que vous disiez, « D'accord, je sais ce qu'il faut faire, je sais qu'il faut aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, et aimer mon prochain. » Mais cela peut attendre. Peut-être j'y penserai quand je serai vieux, avant de mourir. Non. Le professeur de la loi, c'est lui qui posa la question, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» a répondu à sa propre question avec la bonne réponse. « Aimez Dieu, aimez votre prochain. » Mais il ne suffit pas de savoir ce que vous devez faire. Jésus lui dit, « Fais cela et tu vivras. » Jésus raconta la parabole du bon samaritain pour expliquer comment mettre la loi en pratique. Quand Jésus posa la question, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» Le professeur de la loi répondit, « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, agir de la même manière toi aussi. » Voilà comment vous servez Jésus dans la justice, l'innocence et la félicité. Votre amour pour Dieu devient évident dans l'amour que vous avez pour d'autres gens. Paul écrit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Mais Jésus vous transforme à son image, pour que vous aussi soyez le reflet de Dieu dans ce monde. Nous lisons dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, le verset 18. Nous sommes transformés à son image, c'est-à-dire à l'image de Jésus, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous avez été rachetés au prix du saint et précieux sang de Jésus, par ses souffrances, par sa mort, afin que vous lui apparteniez et viviez dans son royaume, pour le servir éternellement, dans la justice, l'innocence et la félicité. Vous servez Jésus, le ressuscité. Il vit et règne éternellement. Et vous, il vous a donné une nouvelle naissance. Il vous ressuscitera au dernier jour. Et vous vivrez et régnerez avec lui éternellement. Croyez-le fermement. Ceci, assurément, est vrai. Au nom de Jésus, amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions.
Ô Dieu, source de tout bien, nous te demandons de faire prospérer le travail de nos mains, pour que nos œuvres soient une bénédiction pour nous, pour les membres de nos familles, et pour nos prochains à qui tu nous appelles à rendre service. Bénis l'économie de cette nation, les industries qui préparent des produits à consommer, et les commerces qui les vendent. Soutiens tous les ouvriers et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Bénis aussi le travail de ceux qui sèment et ceux qui récoltent. Dirige l'attention de nos yeux vers toi, la source de notre pain quotidien, car c'est toi qui désaltères les assoiffés et combles de bien les affamés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, qui établit la loi et l'écrit dans le cœur des hommes, aide-nous à apprendre ce que tu exiges de nous, à le mettre en pratique et à y prendre plaisir. Nous te demandons de protéger ceux qui administrent les lois, les gendarmes, les membres de la police et tous ceux qui agissent comme une barrière entre nous et ceux qui voudraient nous faire du mal. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tu nous apprends à nous occuper des autres. Ne nous permets pas d'être indifférents et aveugles à ceux qui souffrent, ni à devenir paresseux, car les commandements que tu prescris ne sont pas au-dessus de nos forces. Rends-nous humbles, pour que nous bandions les plaies des blessés, guérissions les malades, et soyons prêts à prendre la place d'un serviteur, comme tu le fis quand tu lavas les pieds de tes disciples. Nous te louons et te rendons grâce pour ceux qui font du bénévolat, ainsi que ceux qui travaillent avec les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes qui ont besoin de l'aide sociale. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô source de notre repos éternel, bénis ceux qui se reposent de leur travail et ceux qui se reposent de leurs études pendant l'été. En particulier, protège ceux qui voyagent afin qu'ils arrivent à leur destination en sécurité et, en rentrant, soient prêts à s'engager dans leur travail ou dans leurs études avec enthousiasme. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Notre Père céleste, nous prions pour tes enfants qui voyagent à Cerisy-la-Forêt pour le camp des ados de mission et jeunesse. Nous demandons que tu sois avec les participants lors de leur trajet et pendant le montage du camp. Bénis l'œuvre du pasteur Jouti, l'aumônier, de Manon Fogler, la directrice, les animateurs, ainsi que tous ceux qui assisteront au camp. Qu'ils grandissent dans l'amitié et la fraternité chrétienne et dans la foi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne
sa paix. Amen.